Éric Fouache, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Vous êtes un peu chez vous, vous êtes vice-chancelier de la Sorbonne d'Abu Dhabi. Vous êtes en charge de cette institution depuis 4 ans maintenant. Je vous laisse nous présenter un peu ce programme et cette institution. Alors d'abord, bienvenue, on est heureux de vous accueillir. C'est notre fonction. L'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi, c'est du point de vue de la France la première tentative d'exporter une université française. Ça ne s'est jamais fait. On faisait avec les lycées, en fait. Oui, on a le premier réseau mondial au monde de lycées et le premier réseau mondial d'instituts de recherche, si vous associez le réseau Affaires étrangères, IRD. Et nous n'avons pas exporté jusqu'à présent d'université. On a exporté quelques écoles, Centrale, HEC, mais... C'est le chaînon manquant, en fait. C'est le chaînon manquant, à un moment où il devient crucial d'être présent à l'étranger, parce que les pays anglo-saxons y sont depuis 20 ans. 70% des universités étrangères qui se créent dans le monde sont américaines. Et quand on forme les gens à l'étranger, chez eux, eh bien, ils deviennent des gens en empathie. Et si on les forme qu'à la culture anglo-saxonne, eh bien, ils iront vers des solutions anglo-saxonnes. Si on les forme à la française, on peut espérer qu'ils pensent parfois à d'autres solutions. C'est ce qu'on appelle le soft power en bon français. Oui, totalement théorisé et assumé par les anglo-saxons, les États-Unis en tête, et pas théorisé et mis en action, ni au niveau de l'Europe, ni au niveau de la France. Comment ça marche, alors, cette Sorbonne, en termes de jeunes gens ou jeunes filles formées? Alors, ici, l'originalité par rapport à ces branches qui se créent à l'étranger, c'est que, justement, nous n'avons pas vendu la marque. Nous sommes les opérateurs d'université émirienne et nous ne délivrons pas un sous-diplôme. Les diplômes sont délivrés par les universités partenaires. Nos étudiants ici sont inscrits ici et à Paris et ils reçoivent le diplôme de Paris, donc les diplômes de 3 partenaires, le diplôme de l'université Paris-Sorbonne, l'opérateur principal du site, le diplôme de l'université Paris-Descartes et le diplôme de l'université Pierre-et-Marie Curie. Donc une réussite qui prend de l'envergure et on parlait de cette concurrence avec le monde anglo-saxon. Vous la sentez ici, physiquement, à Abu Dhabi? Alors, on ne ressent pas, nous, une concurrence. On ressent une hégémonie culturelle. Je prends toujours l'exemple des contrats d'armement qui sont à 95% pour les États-Unis et 5% pour le reste du monde. La présence culturelle est la même. Il y a 77 universités étrangères installées dans le pays. La seule qui ne soit pas anglo-saxonne, c'est la Sorbonne. Donc il y a effectivement une pression énorme, notamment sur les standards anglo-saxons. En même temps, il y a une vraie originalité et il y a un vrai désir de Sorbonne. J'ai 25% d'étudiants émiriens ici, 50% sont des vrais clients puisqu'ils sont là sans bourse, ils paient les études de leur poche alors qu'ils ont un système fédéral gratuit. Il y a donc un vrai désir de Sorbonne. Il y a aussi le désir d'avoir des carrières internationales. 80% de nos étudiants sortent trilingues, anglais, français, arabe. Et on ne joue pas le français contre l'anglais. On cherche à produire des trilingues et le français pour quelqu'un qui veut faire une carrière internationale, associé à une langue régionale et à l'anglais, offre le moyen de diversifier son CV des autres. Parce qu'on voit en effet l'intérêt des Français à faire rayonner davantage leur culture, leur formation, leurs valeurs. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette soif ici des Émiratis de sortir du tout anglo-saxon, vous le sentez ça Alors il y a le désir de ne pas être prisonnier d'un partenaire, de ne pas être prisonnier d'un modèle et de ne pas avoir une élite formée à des solutions presse-bouton identiques. Donc oui, il y a un désir de diversité. Je dirais que c'est presque un désir, je suis géographe, d'avoir un écosystème plus équilibré pour former des gens à la diversité. C'est aussi un petit pays qui est un acteur mondial par ses investissements, mais aussi par sa diplomatie, et qui a donc besoin de former une élite émirienne, pas seulement à la maîtrise des langues, mais en empathie culturelle avec tous les blocs culturels qui font la diversité du monde aujourd'hui. Et notre fonction à nous, c'est non seulement d'incarner c'est de la diversité francophone, mais la diversité européenne. Donc pour Abu Dhabi, on est clairement l'université française, francophone et européenne. On enseigne ici toutes les langues européennes. Oui, l'Europe, c'est peut-être le vecteur, en effet, du rayonnement
français aussi plus important. Un mot sur le sujet qui nous intéresse lors de ce voyage organisé avec LexisNexis sur le monde juridique. Vous formez des étudiants en droit, hein. C'est un vecteur d'influence aussi important, le droit, pour sécuriser finalement et renchérir la confiance. Comment se présentent ces formations? Est-ce que c'est un des gros axes stratégiques pour votre université? Oui, parce que le droit émirien, le droit des, il y a le droit de la famille, la charia, et puis il y avait le droit des affaires, était en fait via l'Égypte le droit français par l'intermédiaire du Code civil, Napoléon. Et donc le droit français doit être enseigné ici. L'hégémonie culturelle et de standard fait que ce droit est grignoté par la common law anglo-saxonne, notamment dans les free zones, et qu'effectivement, si on veut qu'une diversité juridique du monde persiste et qu'on ne soit pas dans des systèmes où tout soit facile pour une partie des entreprises du monde et plus difficile pour les autres, il faut maintenir cette diversité. Ça passe par des entreprises françaises qui doivent gagner des marchés, ça passe par un lobbying pour créer des standards, pas forcément des standards européens différents des standards anglo-saxons, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'intégrer cette même dynamique, de créer nos standards et de proposer des solutions juridiques. Et encore faut-il être en position de les proposer, donc il faut garder des vecteurs, des gens formés, ayant un lien avec nos juristes. Vous l'avez vu ce matin, le ministre de la Justice a eu des propos très aimables sur le rôle moteur du droit français sur le plan international, sur le plan du commerce. Il y a une place à préserver, pas en affrontement avec les lois anglo-saxonnes et la common law, mais dans le complément, dans la précision. Il y a des créneaux où on est plus efficace, il ne faut pas les perdre. Et il y a besoin d'un relais des acteurs, c'est-à-dire à la fois la puissance publique, le gouvernement, les entreprises, et une plateforme comme la Sorbonne est le lieu pour enseigner, le lieu aussi pour héberger des rencontres comme aujourd'hui. Une dernière question, est-ce que, selon vous, et quand on écoute ce paysage que vous en faites, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard, la preuve. Il est tard. Il est tard, oui, oui, c'est incontestablement tard, mais il n'est pas trop tard. Deux preuves, ce sont les Émiriens qui sont venus chercher la Sorbonne. Ce n'est pas une stratégie française, c'est-à-dire qu'eux ont perçu que c'était important, que c'était prestigieux, que c'était efficace. Ils ont été prêts à financer la totalité du projet et leur jeunesse est prête à venir. Il y a donc, la France fait encore rêver. Et pas seulement le Paris glamour de la mode et de son cadre architectural prestigieux. Les idées françaises, l'innovation française, le savoir-faire français font encore rêver. Je dirais que les Français sont presque les derniers à en douter. Par contre, il nous revient d'avoir une activité collective pour mettre en valeur une image France, des produits France, et à terme, ça peut faciliter, je ne suis pas là pour vendre, moi je suis un universitaire. Mais si on veut vendre un produit France, encore faut-il avoir créé une image collective, positive, et c'est tous les acteurs. Et là, on doit gagner en efficacité, c'est-à-dire qu'on doit avoir un relais de l'action gouvernementale, notamment par sa diplomatie, les régions qui ont des moyens considérables à l'étranger, on manque de coordination. Bon, en tout cas, vous y contribuez, hein. Même un universitaire doit savoir vendre, en effet, ce soft power français. Merci en tout cas pour cet entretien. Merci de votre venue. À bientôt. À bientôt.